Bienvenue à MP Electronique. Aujourd'hui, je vous présente mon compteur de 0 à 99, donc qui a été programmé avec un PIC 16F 866A, ici alimentation variable de 15 volts DC, donc j'ai mis un condensateur de filtrage, donc ça enlève les parasites. Ici, un régulateur de voltage LM7805 qui prend le 15 volts et qui transforme en 5 volts pour alimenter le microcontrôleur PIC que j'ai programmé. Ici, un bouton reset. Donc, quand j'appuie, la LED clignote 4 fois et le compteur compte de 0 à 99. Ici, je vais vous expliquer. Ici, il y a 14 transistors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le premier transistor commande les 5 premières LED de l'afficheur des dixièmes. Le deuxième, les 5 ici, donc des dizaines, A, B, C. Chaque segment de LED est commandé par un transistor. Donc, j'ai 14 segments ici, j'ai 1, B, C, D, E, F, G. Donc, 7 segments ici, A, B, C, D, E, F, G. J'ai 14 segments. Donc, chaque segment est contrôlé par un transistor. Et j'ai programmé le code dans le microcontrôleur PIC 16F 866A. Et il compte à chaque seconde. Donc, j'ai utilisé un quartz cristal de 4 MHz avec deux condensateurs de 22 picofarads, donc c'est pour l'horloge, le signal de l'horloge. Donc le compteur va compter 0,99. Ici j'ai des transistors, pour chaque segment j'ai des transistors de 100 ohms, donc c'est ça, 100 ohms. Rattaché ici, c'est la ligne de 15 volts. La ligne de 15 volts est rentrante là-dedans ici, dans le premier terminal bloc. Et elle va aller s'accrocher ici à la ligne du 15 volts. Après, je mets transistor 100 ohms pour chaque segment. Limiter courant, sinon les LED ne fonctionneraient plus pendant un certain temps. Après un certain temps. Ici, ça s'appelle du tricotage professionnel. Donc, j'ai peint une plaque. Il n'y a pas de cuivre. J'ai twisté mes fils avec les LED. Donc c'est ça, c'est un peu bordel, mais j'ai pas vraiment d'autre manière. Donc là ici il compte, je vais laisser compter un peu, je vais vous laisser regarder ce que ça donne. J'aurais pu faire une horloge avec des LED, tout se fait. Donc je voulais mettre des LED 10 mm parce qu'avec le coût ça m'aurait coûté beaucoup plus cher faire. Chaque LED 10 mm, le moins cher à Montréal, je peux trouver, c'est 46 sous chaque. Donc, 10, ça fait 4,60. Donc, moi, j'en aurais besoin de 70. Et les LED 5 mm rouges, c'est beaucoup moins cher. Donc, ça revient à peu près 5-6 sous chaque. Donc, c'est un projet plus économique. Puis, 10 mm, j'aurais mis moins. Parce que sur la plaque, si j'aurais mis 5 LED, ça aurait 5 ici, B, 5, puis il prend plus de place, c'est 10 mm. Donc c'est pas mal ça mon compteur. Puis si vous avez bien noté, la LED verte ici reste allumée quand le circuit est alimenté par le 15 volts, transformé par le 7805. Donc là il compte. Là. Quand il a atteint 99, il reset parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à 100. Donc, si je dis compteur, si le compteur est égal à 100, compteur égal à 0. Fait que ça fait comme une boucle. C'est une boucle infinie. Puis tant que j'appuie pas sur le bouton poussoir ici, ben il compte. Puis tant que j'ai pas déplugué la fiche, l'alimentation en fin de compte, un petit bouton reset. Donc 14 transistors. À la base de chaque transistor, une résistance de protection de 1K ohm, pour protéger les piles du microcontrôleur. Donc c'est mon premier projet que j'ai créé moi-même avec un PIC 16F 866A. Donc c'est pas mal utile parce qu'il y a 28 piles,
Il y a plusieurs entrées et sorties. Il y a plein de fonctions intégrées dans ce truc-là, mais j'utilisais seulement les entrées et sorties. Donc, c'était en masse pour commander les 14. C'est, en fin de compte, c'est les 14 sorties parce que c'est 14 rangées de 5 LED. Donc, quand le segment A ici est allumé, si j'envoie un logique en bas du transistor, puis là, un logique va faire allumer la première rangée pour le segment A, etc., etc. Donc, c'était mon projet de compteur à LED. Peut-être que je vais faire d'autres projets avec des LED comme ça, genre chronomètre ou en termes de cuisine, je pourrais bien faire ça avec des LED. À place des affichages séparément comme j'avais fait pour mon horloge. C'est avec les 7 segments, c'est plus petit. C'est pas plus, mais ça prend ici, ça prend plus de travail avec les LED. Donc ça prend plus de voltage. Donc c'est pas un très gros problème. Donc c'est ça. Si vous aimez mon compteur, cliquez sur j'aime. Et merci d'avoir visualisé mon vidéo. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez les codes source, etc. Ben vous savez mon adresse. Donc juste laissez un commentaire et vous me spécifiez. Et donnez, c'est très important, donnez-moi votre adresse email que je vous écris avec pour le code source et les schémas et tout. Disons que le schéma n'est pas encore construit, mais éventuellement je pourrais en faire un. Je peux toujours vous fournir le code source. Donc, vous pouvez le modifier à votre guise, mais pas pour usage commercial. Donc, c'est ça. C'était mon compteur de 0,99 avec des LED. Merci d'avoir visualisé mon vidéo et à la prochaine.